Le ministre du Tourisme, Lhassen Haddad, a présidé mercredi à Casablanca la cérémonie d'ouverture de la 13e édition du Salon international de l'équipement professionnel pour l'hôtellerie, la restauration, les métiers de bouche, le bien-être et les loisirs Maroc Hotel by Equipe Hotel Paris. Nous félicitons les organisateurs pour la qualité des exposants et également pour le travail qu'ils ont fait pour cette 13e édition de Maroc Hotel. C'est très important de voir les nouveautés en matière d'équipement, si bien également de voir qu'il y a des entreprises marocaines qui font de la production et également de la distribution. Organisé sous l'égide du ministère du Tourisme et en partenariat avec les principales fédérations professionnelles du secteur du Maroc, cette édition est marquée par une judicieuse segmentation sectorielle qui permet à 230 exposants venus du Maroc, d'Italie, de France, du Portugal, d'Allemagne, de Chine et d'Égypte de toucher un visitorat ciblé et en adéquation avec leur secteur d'activité. Cette édition s'annonce très bien. On a 250 exposants, dont 90% d'entreprises marocaines. Ces entreprises marocaines commencent à s'industrialiser, commencent à avoir leurs propres marques, commencent à exporter en Afrique subsaharienne. Donc, nous ne sommes plus un salon maroco-marocain. Cette 13e édition qui se poursuit jusqu'au 15 mars abrite 5 univers distincts, à savoir accueillir et relaxer, concevoir et décorer, cuisiner et servir, gérer et connecter et nettoyer et entretenir et connaître à la visite de plus de 20 000 professionnels décisionnaires nationaux et internationaux dans les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, des métiers de bouche, du bien-être et des loisirs.